Putain, c'est à se dire si tous les jours je veux pas le même plan. Genre, j'ai tourné des intros tous les jours au même endroit. Le premier jour, j'ai tourné 10 intros pour tous les jours. Parce qu'à chaque fois, je suis au même endroit. J'ai deux t-shirts RTBF que j'échange, que je lave entre eux. Et d'ailleurs, en vrai, petit avis, les pyjamas, vous pouvez les remettre plusieurs fois. Hein. Pas trois fois. Au bout d'un moment, ça schmoute, tu te douches entre temps. Mais genre, tu peux le mettre tenu d'affilée, ça passe pas de problème. Voilà, c'est mon avis. Après, s'il y en a qui sont pas d'accord, bah tant pis. J'espère que vous allez bien, mesdames et messieurs, que vous passez tous une très bonne journée. On se retrouve ensemble pour ce jour 5. On va dire 5. 5 de training bootcamp Zilan. Ça va être le dernier jour que vous allez voir. J'espère que vous allez passer tous une très bonne vidéo, une très bonne journée. Aujourd'hui, pas grand chose à faire. On est censé aller chez le coiffeur, mais je pense qu'on n'ira pas aujourd'hui parce qu'ils sont pas réveillés. Et surtout parce qu'on n'a pas de coiffeur. Faudrait qu'on trouve un coiffeur là en deux spies. Et surtout un bon, parce que bon, j'ai pas envie de ressembler à un gland pour la Zilan. Allez, Rémi, on se réveille. Caché, mec. Non, t'es pas caché, mec, t'es sous ta couette. Je te vois là. Genre, c'est tes pieds là. Non. C'est ton genou là. Ouais, mais on m'en voit plus. Là, c'est... Tu veux le programme du jour? J'ai entendu, mec. Ok, c'est aux tuiles aujourd'hui, mec. Je suis désolé pour toi, mais il va falloir que t'en bouffes. On se motive, messieurs, on se motive. T'as regardé Fatou, il a deux suites. Non, mais après, là, j'ai tout dans ma valise. Non, mais je sais. Mais genre, les deux sont bien pendus et tout, genre. Ouais. Allez, debout. On se réveille. Ouais, tonton. Et vous savez ce qu'on doit faire là? Appelez ton coiffeur. Putain, c'est bon. Oui, allô, bonjour, excusez-moi de vous déranger, ce serait pour prendre un rendez-vous pour 3 personnes, s'il vous plaît. Pour 3 personnes, dites-moi. Oui, ce serait une coupe, 3 coupes hommes. Vous avez des coiffeurs en particulier qui s'occupent de vous? Oui, c'est Théo, oui. Attends, vas-y. Alors, le nom, je sais plus du tout, mais c'est un homme, voilà. Alors, ça doit être Stéphane, mais on a toute la semaine. Ah, terrible. Ok, bah, c'est pas grave. Bah, dans tous les cas, c'est parce qu'en fait, on participe à une émission à partir de jeudi, donc si vous avez de la place avant jeudi, ce serait bien. Je vais avoir demain matin. Ok, c'est... C'est la suite, du coup. Oui, c'est ça. Allez, c'est tout bon. Bonne journée à vous. Au revoir. Je vais l'appeler chaud. Alors, j'ai plein d'anecdotes. Faut savoir que là-bas, Stéphane, il est trop fort. Ouais. Genre, no joke. Après, t'as des stagiaires qui sont là-bas, c'est un peu une fois sur deux, tu vois. Genre, en mode, elle peut être trop forte comme elle peut être pas ouf. Ouais, mais là, on participe à la Zilène. Et les filles là-bas, je sais pas pourquoi, je pense que c'est un critère, elles sont toutes ultra fraîches. Je sais pas pourquoi, le Stéphane, je pense qu'il doit prendre que des meufs ultra fraîches. Hein. C'est vrai? Devine à quelle heure on y va demain? Je sais pas, mais je dormirai. 9h30. Oh non. Ah si. Mais je vais même pas me faire couper les cheveux. Mais c'est pas grave, il faut te recaler, mec. Quelle heure, là? Là? Ouais. 16h. Vous endormez tout ce soir. Bon, je rigole zéro, ok? Moi je vais vous m'énerver sinon. Vous voulez que je fasse quoi avec lui? Allez, demain c'est chez coiffeur. Mesdames et messieurs, il faut que je vous parle d'un truc. Il y a une partie du bootcamp qui n'aurait pas été possible sans une entreprise exceptionnelle qui nous a donné un PC, qui a prêté un PC à notre cher ami Drago qui est actuellement sur Zutom. En train de tryhard avec son bol de lait, bien évidemment. C'est bien évidemment Start, je vous mets ici. Merci beaucoup à vous, les gars, parce qu'en plus, c'est juste des gens ubêtement trop cool. Genre, vraiment, pour avoir discuté avec eux un petit peu. Ils sont trop cool, ils passent sur les streams et tout, ils sont à fond derrière nous. Et en fait, regardez le PC qu'ils nous ont fait. Déjà, c'est un cube, hein. Vous voyez, c'est un cube Minecraft, le truc, par rapport à ma main. Genre, le premier jour, je me suis tapé le PC avec le pied. Bah, mon pied, il a eu mal, le PC, il a rien eu. Regardez-moi le PC, comment il bleed mille feux. Il y a 3080 dedans. Genre, ils ont vraiment mis bien. Et ce qui va être vachement utile, parce que pour Elden Ring, par exemple, les runs Elden Ring, il y a une grosse partie qui est faite sur le temps de charge du jeu. C'est un temps qu'on peut pas gérer. Si on a un PC de merde, on peut pas gérer. Donc nous, avec ça, bah limite, on a la fibre. On est dans le turfu. En tout cas, merci beaucoup, Start, pour le PC. Ça fait trop plaisir. N'hésitez pas à m'en envoyer un, bien évidemment, pour que mes streams soient de meilleure qualité. Donc, je commence. Je mets tout sur la bouffe. Je produis un villageois. Je le mets sur le lore. Maison or. Mine. Regardez-le comment il tryhard, c'est beau ça. Et frérot, j'espère que vous avez kiffé cette journée. C'était la dernière journée du Secret Bootcamp, du Zilan Bootcamp, du Vlog Bootcamp. On a eu 5 vidéos en tout et 5 très bonnes vidéos, j'espère qu'elles vous ont plu. Moi en tout cas, ça m'a fait kiffer de les faire sortir, ça m'a fait kiffer de les voir, ça gardera pas mal de souvenirs. Et je pense que en vrai, de vrai, dans quelques années, quand on regardera la LAN, on se dira, putain... Qu'est-ce que c'était bien. Même si là, on le réalise peut-être pas trop pour le moment. Dernier vlog? Non, pas vraiment, parce qu'en fait, on se verra en vlog juste après. Enfin, moi, demain, je prends la cam. Pour le vlog Zilan, qui sortira d'ici une petite semaine. La vidéo Zilan, Best of Zilan, sort d'ici une petite semaine. J'espère que vous allez kiffer. J'espère que nous aussi. En tout cas, il y aura pas de vidéo sur Soir en Phase 1. Hein? Bon, bah si, mec. Non, pas de vidéo Zilan. Enfin, un emotional movie. Un truc triste, genre? Ouais.
Ou on se taille les veines. Mec, si on sort en phase 1 alors que ça fait un mois et demi que je traîne tous les jours, je pète un plomb. Tu sais combien j'ai d'heures de train là? Combien? Je dois être autour de 300, je pense. Bon, ouais, moi tu regardes mon nombre d'heures de stream. En tout cas, les frérots, je vous fais un très très gros bisou à tout le monde. On se donne rendez-vous. Pardon. Ça fait longtemps que j'ai pas vlog. Ça fait deux jours. Tu sais, ça fait long. Hein. Entre temps, je suis passé chez le coiffeur. Eh, hey, vous aimez bien? C'est pour la laine. Mesdames et messieurs, bonsoir dans l'actualité. Oula, je suis blanc. Ouh. Dans l'actualité de ce vlog, il est actuellement 5h34 aujourd'hui. C'est-à-dire, ce qui est fou, c'est que pour la première fois, il est 5h34 le 7 avril et la vidéo sort le 7 avril. Donc, dans tout à l'heure, bonjour à YouTube de tout à l'heure, j'espère que ça se passe très très bien. Et que au moment où vous verrez cette vidéo, j'aurai fini de remballer tout mon setup. Parce que ça va être le moment là en fait. J'espère en tout cas que vous passez une très bonne journée. Aujourd'hui, on va tout simplement dormir. Mais avant, on va juste faire le Secret Bootcamp qu'on a oublié de faire hier. Parce que on était beaucoup trop fatigués et qu'on a foncé training. Fatou ? Ouais. Qu'est-ce qu'un modo test ? Ah, je sais plus c'est quoi là. Un quasimodo ? Toujours aussi peu de rôle. Peu de rôle, genre dans Roméo et Juliette ? Toujours aussi peu de bonheur dans la forme du parmi. Pourquoi tu tiens par le cou comme ça? Je t'attire pas. C'est bizarre de tenir quelqu'un par le cou ça. Je vais pas roter devant la caméra. Pourquoi? Bah, Abdoula. C'est dégueulasse. Il fait ça tout le temps à longueur de journée. Mais non, je suis pas un gros porc. Je vais en parler dans ce cadre de camp. Bon allez, c'est cadre de camp, allez, c'est bon, j'arrive, moi je vais parler. Je vais vous raconter la vérité. OMG. OMG la caméra. Mon œil il part en couille. Oh putain, les gens vont encore prendre pour un fou là. Ah, Secret Bootcamp, jour, je sais plus. Bah, pas de choses à dire. Honnêtement, je suis épuisé. Ça a été une très bonne semaine, beaucoup de vidéos, beaucoup de contenu. Ça m'a fait kiffer, ça vous a fait kiffer, c'est le plus important. Entre temps, j'y ai laissé quelques cheveux. Attends, je suis allé chez le coiffeur. Dernier jour du Secret Bootcamp. Très content de notre journée de scrim, globalement. Que ce soit dans performance d'équipe ou performance individuelle. C'est très 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 encourageant. Après, j'ai envie de dire, il serait temps parce que demain, c'est le grand départ, l'installation. Puis après, il va y avoir la LAN qui va enchaîner juste après. Toujours la même chose, hein, le training continue et tout. On fait des scrims, c'est rigolo. On se marre bien, on sait bien, on a bien rigolé aujourd'hui d'ailleurs. Tu sais, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un chômage qu'on a perdu. C'est trop marrant. Et mais ouais, on a beaucoup traîné Twitch. J'ai passé 8 heures sur Twitch aujourd'hui parce que c'était mon point faible. Probablement le seul finalement. Au niveau de l'ambiance générale de l'équipe, aujourd'hui on est accédé aux premières tensions. Du côté de Fatou et Drago, à un moment ça a failli se rentrer dedans. À un tel point que moi j'ai dû intervenir, hein, j'ai dû les repousser. En gros, de ce que j'ai compris, Drago avait mangé les Mikado. Et en fait Fatou les avait achetés pour sa copine. J'ai pas trop compris, mais voilà. Du coup ça s'est battu pour des Mikado quoi. Du coup, moi ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté des Mikado. J'ai acheté un paquet pour Drago, un paquet pour Fatou. Et en fait je leur ai donné. Et quand je leur ai donné, bah je les avais déjà mangés. Donc il faut qu'on soit confiant, il faut qu'on continue comme ça en vrai. Parce que je pense que là c'est très très bien ce qui s'est passé aujourd'hui. Encore des choses à corriger, mais il nous reste encore un peu de temps, donc on va essayer de peaufiner tout ça. Moi, j'ai fait plein de confiance aujourd'hui en vrai. Pas mentir, j'ai vraiment beaucoup step up. Je suis assez confiant, je suis assez bien. Maintenant, voilà, Drago toujours aussi étrange, on va dire, et Bichard aussi toujours aussi peu instable. Mais bon, bref, on fait avec. C'est les aléas de la Z-Line, c'est les aléas des équipes, là, on va dire. Et voilà, on va découvrir nos poules, on va découvrir la salle. On croise fort les doigts, et j'espère que vous croisez fort les doigts pour nous. Et peut-être que demain, je vais sauter sur Fatou parce que j'en ai vraiment envie depuis quelques jours. Et peut-être que quand je vais découvrir les poules et tout, ça va me faire quelque chose de chaud à l'intérieur et tout. Et mais oui, sinon, voilà, c'est cool, on rigole bien. Franchement, je pense qu'on a l'une des meilleures teams en termes de ratio niveau et rigolo, c'est bien. On se marre bien, on s'amuse bien, voilà. Passer un bon vlog, même si c'est déjà la fin, un bon vlog de Z-Lan, hein, on va bien voir. Du coup, demain, on part installer les PC. J'espère que ça se passe bien. Si ça se passe mal, bah tant pis. Et si ça se passe bien, bah c'est génial. Je n'ai rien d'autre à dire de plus. De toute façon, vous en foutez, hein, vous, non, je le sais, vous connaissez, vous juste des blagues, vous voulez que je m'énerve ou quoi? Merci à tous, je vous fais un gros bisou. Et c'est bientôt l'heure du futur. Avant qu'on se quitte définitivement dans le Secret Bootcamp, j'ai trop aimé cette semaine. C'était trop trop bien, c'était une expérience de fou. On a grave kiffé, on a vécu des moments qui vont rester gravés encore longtemps. N'hésitez pas à mettre, si vous êtes arrivé ici, de la vidéo en commentaire. Fatou la légende. Bref, c'est tout. Allez, des bisous. Non, en vrai, je dois vous avouer un truc. J'ai repris le record parce qu'en fait, je m'en veux un peu d'avoir dit Fatou la légende. Parce qu'en vrai, les gens après, ils croient trop. J'ai un ego surdimensionné et tout. Tu vois, ils sont en mode, ouah, le mec, tout la testasse du mec, le melon. En vrai, mes deux mates sont monstrueux. D'accord, qu'on soit d'accord sur ça. Même surtout Bichard pour son temps de training comparé à nous. Il est vraiment très très fort sur les jeux. C'est abusé. Drago, c'est un petit crack. J'ai toujours dit. Du coup, voilà, je compte sur vous par contre pour nous soutenir vraiment jusqu'au bout. Ça va vraiment être déterminant. Ça vous êtes le quatrième joueur de notre équipe. Genre vraiment premier degré. Et merci beaucoup pour tout le soutien que vous nous apportez déjà. Voilà. Un peu d'amour en vrai parce que je fais trop le cassos et tout, donc vas-y, je vous aime, des bisous, c'était Fatou et la team Two World, bisous.
Officiellement, MCES Bichard. Merci. Merci. Putain, merci. Je suis voilà. Trop heureux. Merci. Yes, yes, je l'ai. Yes. Il est normal? Est-ce que ce mec est normal? Comment vous avez l'air dépité, les gars? C'est bout de camp, allez, on va baiser. Là, on va dormir. Je vais upload tous les rushs là pour directement pour Bunkhead. Normalement, quand t'es en avance, que tu gères bien tout ce que t'as fait là, tu peux pas des scouts en même temps. Voilà, c'est l'info. Ah oh, y'a ah 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 tout, ça va? T'es où? Oh, mec. Wesh. Oh. Mec, il m'a tapé. Ah ouais? Ah, je suis sûr, il m'a tapé, mec. Bah, mec. Hein? Qu'est-ce que tu fais là? Non, ça c'est à moi. Bah, toujours, c'est à moi. Je vais te porter. Oh, mec, tu m'as défoncé. Elle m'a dit la même chose hier.